Bonjour. 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 Monsieur Breton, comment allez-vous? Ça va bien. Enchanté. Merci. Je suis très heureux d'être ce matin ici au port d'Anvers. Donc on va visiter le port. C'est pour moi un moment important parce que, bien sûr, avec le directeur général, on a beaucoup interagi pendant la crise pour préparer aussi le plan de relance. Le port d'Anvers, avec sa fusion annoncée et avancée, va devenir évidemment un port extrêmement important. Il l'est déjà. Et évidemment, bénéficie du plan de relance belge, mais aussi évidemment avec le soutien de la Commission européenne. C'est un peu un exemple parce qu'il marie à la fois tout l'impact de notre pacte vert, et on va en parler évidemment avec les énergies décarbonées, avec aussi beaucoup de choses rénovatrices sur l'hydrogène. Il marie évidemment la transition numérique, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de numérique désormais dans cette activité portuaire. La 5G, les drones, énormément d'informations, le suivi évidemment des containers, les blockchains, enfin donc on a là beaucoup de sujets abordés qui bénéficient du reste pour certains d'entre eux des fonds européens. Et puis la résilience dans le monde qui est le nôtre, ça a toujours été le cas évidemment dans l'histoire, mais j'avais plus que jamais des grandes infrastructures portuaires comme la vôtre, monsieur le directeur général, pour être amené à jouer un rôle absolument essentiel pour la résilience de notre continent. Donc je suis très heureux de pouvoir aborder ces trois grands thèmes ce matin avec tout le management du port d'Anvers. Merci. A mis quelque chose dessus, on le verra quand on va décoller. C'est un bateau. Oh, vous avez fait une belle photo. Merci. C'est bon, Terence? Oui. Ah, donc, quand même une assez grande usine. On est un ancien port jusqu'au début du siècle passé. Et puis après la guerre, la première guerre et surtout la seconde guerre mondiale, on l'appelle encore toujours, et ce qui est encore toujours, le plus grand cluster pétrochimique européen. Qui était là? C'est le meilleur moyen pour, ah, mais c'est extraordinaire. Pour voir on ne se rend pas compte. Mais vous vous rendez compte, l'infrastructure, qu'est-ce que c'est grand. Et une infrastructure, une technique. On peut commencer? Oui. Allez. C'est ici qu'on pilote, où on essaye de piloter le port d'Anvers, donc c'est notre salle du conseil. Okay, great. I have a young colleague who can better explain them myself. It's actually made by burning fossil fuels, and by recuperating waste heat, we can actually save. We did it in the last 3 to 4 years now, 1 hour, 1 year finished. Now we build a big plant over there, so this is okay. 1500 kilowatt, and that's 2000 kilowatt. But the other, it's not operating today, but yeah. The other site will be operational by the end. Oh. And that's the one in Antwerp.
And we have a second installation sorter to a Japanese company, Kurei, Evo. Including plants we tested is up to 200 degrees, but SABIC wanted to... me to the nature of what we do, is what we really have a chemical reaction, which is... Pratiquement mentir les principes de la thermodynamique. Non, ouais. Pas du tout. On respecte le vous respectez les vous le respectez. Oui, oui, on les respecte. Mais vous parliez au droit de la chimie. Comme ça, la commission après ça peut le diffuser partout après. Ah bon, c'est nous okay. qui le diffusons, et après ça, il diffuse aux chaînes de télévision. Ah ouais, voilà. C'est comme ça que ça marche. Voilà. On est professionnel. Voilà. It's easier. Voilà. Ouais. Ils ont de bons systèmes à la commission. Ils sont bien équipés maintenant. C'est aussi un business, d'image aussi. Oui, oui, mais comme partout. You're providing a lot of images. So. The business you're in. Absolutely, absolutely. So. Voilà. Donc, Terence, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors? Vous commencez avec une prise de parole. Oui. Avec la CEO du port, et ensuite on fera un échange de questions-réponses avec les journalistes. Bon, bah, d'abord, je merci d'être. Thank you very much for being here with us today, and Jacques, thank you very much for a strong welcome and for the visit. It was a pleasure. We had a fantastic visit of the port, and that's really the reason why I wanted to come here. First and foremost, the port of Antwerp is definitely a model of what we tried and we wanted to achieve with our industrial strategy and transition. In other words, you are extremely involved in the Green Deal, extremely involved in the digital transition, and of course, a strategic point for our resilience and the resilience of our continent. So, in everything you do, that's really a lot of things are happening here. First, in terms of Green Deal, I have been very impressed with everything you do, trying to anticipate the post-fossil energy era in many, many aspects. And I think you are one of the most, if not the most advanced in the world on this. Of course, including the use of electricity, hydrogen, and we'll come back on this later on. The second thing, of course, is in everything you do, digital transition is more and more important. And I have been very impressed with all the projects you have, including the one using drones now, privately, to enhance your capacity and control. But you may discuss this also, but I have been very, very impressed with everything you do. And third, in terms of resilience, with everything you do, with 250 million tons, I think, of traffic this year, an increased traffic drastically. Not only you have been able to anticipate the consequences of the Brexit, and I'm very impressed with the professionalism that your team took in order to anticipate. Unfortunately, it's not the same thing on the other side of the channel. They are very late, but you are very advanced, and you have been able, because you anticipated, to increase, in fact, the traffic with UK, because of course you increased drastically your export from the continent to UK. Of course, vice versa, we know is the opposite. UK is suffering a drastic drop in its export to Europe, but you have been able to increase drastically, and I'm impressed also with everything you did for the customs and to be ready. Final point, in terms of logistics, this is, we are maybe one of the heart of Europe. Yeah. I say one because we have many hearts in Europe, but this one is really pretty significant. Within 500 kilometers around Antwerp,
you can reach almost 60% of the, what the internal market brings to all of us, which is huge. And of course, this is why you will have, you will find here railways, trucks, and electrical barges. I mean, every kind of innovation in terms of transportation, using again a new source of energies, using digital, starts here, and that's why I really wanted to come to see my own, but also to discuss with you of the plans that you have. You will receive, and I'm very glad, a significant amount from the recovery plan, which has been approved 2 days ago, I think, by the Commission, and I had a discussion with your Prime Minister on this 2 days ago myself. We discussed, of course, all these topics. I told him that my first visit after the approval will be here, because you will receive some money. And I can tell you one thing, that it will be extremely well well used. Yeah. And final point, I'm extremely happy also to be here to discuss, to see a startup, which is amazing, and in a particular chemical process, to be able to use waste heat and energy, and to reuse it. We have a lot of factories, facilities, oil industries here in this area, and they have been able to discover an amazing process, to patent it, and to build it. And I understand that you are also helping startups here, and the Commission is also supporting this. So I'm very impressed. And that's, by the way, what we are doing now in the Commission, and I'm also the Commissioner in terms of, startups and SMEs. And this is a startup with a lot of know-how, of expertise. And the CEO is here, and innovation, which will contribute to the Green Deal, and which will demonstrate that in the Green Deal we will be able to offer tremendous opportunities for fantastic entrepreneurs. And of course, we are supporting this from the Commission, and we'll continue. Thank you. Well, thank you for your very nice words, Mr. Commissioner, Mr. Breton. It's of course an honor and a real pleasure to have you today here in the Port of Antwerp. It's important for our teams, for Qpinge also, to have that intense link with the Commission, because we try since a few years to build the port of the future. And the port of the future, in my opinion, will be green, clean, of course, but digitally connected with the world. So we need to start and implement a whole transition, and it's a huge challenge to do this in quite a limited period of time. To have financial support coming from the Commission, and recently we had the honor to receive an award coming from Horizon 2020, 25 million for our Pioneers Consortium, is important. The transition will need a mental shift from all of us, but also financial support coming from all the authorities. And we are very pleased to have you here and to try to convince that the money that will come from Europe will be well invested here in the Port of Antwerp. We have many challenges and we need the support of everyone. We try to put in place lots of coalition of the willing, in energy transition, in the digital transition, in the mobility transition, and it's hard work. But having you today here in the port will help absolutely to facilitate and to improve this transition. So once again, I hope your visit was a nice moment, also in the chopper, because if you want to have a good understanding of what the Port of Antwerp means, the only way is to go up and see it from the air, because it is an important hub and cluster of assets, industry, and it's a real location where everything comes together physically, from the point of infrastructure, but also when it comes to transition. So
once again, thank you for your visit. Thank you. And before giving you the floor, yes, it has been extremely useful and impressive to be able to see this in the Tropa by helicopter. It is the largest, the biggest port, I think, on the planet today. In size, yeah. In size, which is extremely, extremely impressive. And you're right. I mean, you have here everything that is important to us. You have, of course, you mentioned it, old energy resources, new energies with windmill, a lot of solar panels. Yeah. You have also transitional energy, like the nuclear energy. You have a nuclear plant here. You have also new facilities for hydrogen. By the way, the fact that you are close to a nuclear plant may be a good solution. I'm discussing this opportunity also with authorities to be able to use it, because of course that's something that we will need. You have also 1,000 kilometers here on this location of railways. You have 750 kilometers of pipes. I mean, that's just yes. Everything in your head. Everything in my head. Yes, that's figures. You know, it's a professor, you know. when you're a commissioner, you better in the internal market with many things. You better like figures, and I like this kind of figures, and since you like figures, being able to increase instead of since the Brexit by 12.5%. The revenue, including this year, which is a very important year, so that's really something that I'm very impressed. And of course, something also which is very interesting. The port is also, as you know, in a process to merge, yeah. With Zeebrugge, the port de Bruges, which will make definitely. I mean, the first port. In Europe in terms of containers, that's yeah. For sure. So that's extremely impressive to see this. But the first in many, many categories, and that's important because, yes, this is definitely one of the most important gateway for us in Europe. We discuss also cybersecurity. We discuss also CyberShield. A lot of new initiatives. Some I'm not allowed to speak, but we discuss this. So, in other words, you have a concentration of everything we do. So, thank you very much again, and I'm really delighted from what I've seen today. Thank you. Je suis à votre disposition. Eh bien, si vous avez deux minutes, oui. Moi, deux minutes, vous pouvez faire. Oui, bien sûr. Vous voulez pas en français? D'accord. Oui, si ça ne vous dérange pas comme ça. Vous faites dans les langues que vous voulez, sauf le flamand, si c'est possible. Je peux traduire. Ah, très bien. Je voulais voir un peu donc, quelle était la raison de votre venue aujourd'hui et pourquoi un peu être venu ici, accepter l'invitation. Donc, d'abord, j'étais en interaction avec le directeur général, avec Jacques, pendant la crise et après. Et on avait beaucoup échangé déjà sur la transition notamment, et sur le fait que le port d'Anvers est un acteur majeur de la transition, et majeur évidemment en Belgique. C'est par exemple, on ne le sait pas, mais le premier fournisseur d'énergie éolienne. Mm-hmm. C'est aussi le premier endroit en Belgique où on va déployer des réseaux 5G de façon très dense. C'est, on l'a dit, le premier endroit où on va tester sur un lieu. Alors bien sûr, c'est un lieu qui est un lieu important. Hein. On parle de 12 000 hectares. Donc c'est un lieu qui est quand même très significatif. Hein. C'est l'ensemble de l'emprise, hein, si j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit. 12 000 hectares donc, qui vont être couverts par une espèce de bulle de protection. Donc il y a énormément de choses nouvelles qui se passent ici. La transition, évidemment, la transition énergétique est un de nos sujets majeurs. Et on sait bien qu'il faut s'engager sur cette transition au cours des 30 prochaines années. On est encore ici, évidemment, avec des modes de combustion qui sont essentiellement fossiles, bien entendu, aussi bien pour la mobilité que pour ce qui peut s'y passer dans les différentes industries qui sont associées. Mais derrière, il y a une vraie volonté de pouvoir être l'un des premiers, si ce n'est le premier,
à prendre le virage de cette transition. Et c'est pour ça que vous avez aussi ici une capacité donc, de commencer à utiliser, à stocker donc, de l'hydrogène liquide. Évidemment, pour les propres besoins du port, pour aussi ceux qui vont venir en matière de logistique, que ce soit des bateaux, que ce soit des barges, ou les barges, même si les barges sont plutôt, fonctionnent plutôt à l'électricité aujourd'hui, avec des barges aussi qui sont automatisées. Donc on a énormément de modernité, ou alors évidemment bientôt à terme des camions. Et puis il y aura peut-être aussi des projets où on va réfléchir, et c'est un sujet sur lequel je veux m'engager, à réfléchir à peut-être à mettre des batteries d'électrolyseurs, et notamment en utilisant la présence de la centrale nucléaire qui est ici. Donc c'est aussi un projet qui me tient à cœur et dont je vais commencer à parler avec les autorités belges. Donc on a énormément de choses qui se passent ici. Et puis c'est donc vraiment un exemple d'une bonne utilisation aussi des fonds qui vont être mis à disposition des fonds européens, bien sûr. Déjà défini ou... Le montant, je ne sais pas s'il est arrêté. C'est une vingtaine de millions pour l'instant, mais enfin les projets donc il y en a beaucoup. Donc on va évidemment les regarder avec beaucoup d'intérêt. On a aussi d'autres instruments qui sont mis à disposition, Horizon 2020 et d'autres instruments pour pouvoir accompagner les projets. On en a discuté. On a des idées nouvelles qui vont être intéressantes, donc bien sûr, on va accroître évidemment, il y a déjà des très bonnes relations avec la Commission, mais on va continuer à accroître compte tenu encore une fois de l'importance de ce qui se passe ici à Anvers. Okay, merci beaucoup. I'm going to ask my question in English, I hope that's not a problem. Okay, yeah, okay. Maybe for the microphone, yes. This week we saw the 5-year anniversary of the Brexit referendum. I think you wrote about it as well in the Guardian, I've seen. I think many people admit that it was a lose-lose situation, both for the United Kingdom as for the European Union. In what way have you seen the consequences here of the Brexit? But first, I say lose-lose. I think it is definitely a lose situation for the UK, that's for sure, and despite what was promised. I mean, for us, we prepared ourselves, and what happened here is a true example. The preparation started much before... 4 years ago. 4 years ago, and our British friend didn't start yet in many locations. But because... many locations like the port of Antwerp started before. Today, you have been able to cope with the situation and, in fact, to erase the negative impact and, the contrary, to increase the volume with UK. Of course, more, you can imagine, more from export, because you increase drastically the export to the UK, and, of course, it covers the drop from the UK to Europe. So it's a good, unfortunately, a demonstration that it's working okay because we are prepared for us. For UK, I said it. It's really a big issue. Bonjour, moi Derek Perrot pour les échos. J'ai une question en français. Si j'ai bien écouté tout à l'heure, vous êtes le plus grand port par la superficie, mais le 12e par le trafic. Est-ce qu'avec tous les projets qu'on vient d'évoquer, vous ambitionnez de rentrer dans le top 10 et à quelle échéance? Avec Bruges, on va déjà un peu accroître les volumes, mais je crois que c'est la course au plus grand au niveau des tonnes, des TU, n'est pas vraiment l'enjeu le plus principal aujourd'hui. C'est d'être ready for tomorrow, donc être un port qui, dans 10 ans, 20 ans, sera encore relevant. Et donc, essayer d'organiser cette transition, être prêt à être connecté de façon digitale. C'est ce qui se passe pour l'instant dans le monde est impressionnant. Donc, tout le monde utilise des outils. Aujourd'hui, si on n'est pas équipé au niveau des ports, on ne saura tout simplement plus se parler. On est un maillon important dans une chaîne, le Global Supply Chain, mais tout le monde commence à utiliser d'autres façons à travailler ensemble, des plateformes numériques, on en a partout, et donc échanger des données
pour être plus efficace, pour être plus rapide, pour être moins cher, va devenir l'enjeu principal. Donc, je ne serais pas déçu si dans 5 ans, on n'est toujours pas dans le top 10, parce que battre les Chinois, c'est quand même pas, c'est pas facile. Hein. Dans le top 10, on a Singapour et 9 ports chinois qui se développent plus rapidement que ce qu'on est autorisé à faire en Europe. Donc, construire un port, élargir un port, ça prend un peu plus de temps, simplement déjà bien au sûr, niveau des empreintes. Hein, et bien souvent, des expropriations. Voilà, donc, c'est... On fait ça à l'européenne et pas à la méthode chinoise qui est plus rapide, on peut dire. Mais Jacques, si je peux me permettre, parce que je crois qu'on peut dire que le port d'Anvers est aujourd'hui le plus avancé au monde dans sa réflexion sur la transition énergétique et dans ses projets numériques. Du reste, il y avait une réunion avec l'ensemble des ports du monde qui s'est tenue pas plus tard qu'hier. C'est pas un hasard si ça s'est passé ici, à Anvers, les plus grands ports, y compris les 12 dont vous parlez, étaient connectés en vidéo. Et si mes informations sont bonnes, il a été remarqué par tous que c'était à Anvers que ça a avancé le plus vite dans la transition numérique et dans la transition écologique. Donc voilà, c'est ça l'Europe. Et mon rôle à moi, commissaire, c'est beaucoup plus facile que le vôtre, Jacques, parce que vous êtes celui qui fait tout ça. Mais moi, mon rôle, c'est de dire aussi à nos concitoyens européens et au reste du monde que c'est ça l'Europe. Et c'est ici où la transition numérique se passe. Et c'est ici où la transition verte se passe. C'est une formidable opportunité pour l'ensemble de nos entreprises. C'est aussi une formidable opportunité pour les entrepreneurs qui peuvent développer des start-up comme celles qu'on voit ici. Et c'est aussi en utilisant intelligemment, parce que ce que Jacques ne vous a pas dit, c'est qu'en étant le premier producteur d'énergie éolienne en Belgique, il dégage peut-être un peu de surplus, parce qu'il y a beaucoup de vent ici, et avec les moyens qu'il dégage, eh bien, il a pu abonder un fonds pour soutenir des start-up localement. Il se trouve que ça tombe bien, la Commission et le commissaire que je suis aussi au PME et start-up, soutient aussi, y compris cette start-up que nous visitons aujourd'hui. Donc c'est cette espèce de cercle vertueux qui se dégage entre des acteurs évidemment publics, des acteurs privés, et puis qui ont totalement embrassé, je dirais, la stratégie industrielle au sens large européenne. Une petite question sur la neutralité carbone. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça, concrets, comme celui-ci, pour atteindre votre objectif de neutralité carbone à long terme ? Que vous avez parlé de projet de captation, mais par exemple, enfin voilà, c'est la question. Oui, on a le grand projet de captation avec 6 entreprises industrielles, donc BASF, Borealis, Total, ExxonMobil, Air Liquide, pour d'ici 2030 capter 9 millions de tonnes de CO2, ce qui est la moitié de ce qui est émis au niveau du port. 9 millions par an, 9 millions de tonnes par an. Donc au niveau belge, il y a 120 millions de tonnes de CO2 émis par an, dont 16 millions ici dans l'enceinte, sur l'enceinte du port d'Anvers. Ben, la moitié sera captée d'ici 2030. Elle sera liquéfiée. C'est de nouveau un projet gigantesque, des infrastructures à construire. Et donc, on va transporter le CO2 qui aura été liquéfié vers la Norvège ou les Pays-Bas, donc dans des puits gaziers qui sont maintenant plus utilisés. C'est naturellement de nouveau un grand projet de transition avant d'arriver à ce qu'on, in fine, on veut utiliser. C'est naturellement remplacer le fossile par des énergies renouvelables. Mais là, le chemin est encore long. Donc ça, c'est pour après 2030, entre 2030 et 2050. Donc, mais là, de nouveau, il faut construire aujourd'hui pour être prêt en 2030 et 2050. Et donc, on n'a plus trop de temps à perdre. Il faut mettre ces coalitions, ces grands projets sur pied. Et ça, c'est le grand avantage du port d'Anvers.
d'Anvers, c'est d'avoir ces grandes compagnies qui tous sont motivés à faire le pas, mais personne ne sait le faire seul. Donc il faut join forces, build the coalition of the willing, et à Anvers on peut le faire, et le rôle de l'autorité portuaire est justement d'être de glue that forges coalitions, d'être au milieu de la table. Et après cette transition, vous pensez que l'hydrogène par exemple pourra aider à vraiment atteindre ces objectifs, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions, parce que les wine mills ou... Ça sera pas suffisant. L'hydrogène, il y a beaucoup de couleurs. Il y a l'hydrogène gris, bleu, vert, turquoise, rose. Mais donc, il faut. Oui, non, ça existe vraiment. Donc, le vert est l'idéal, mais le vert, il faut d'abord avoir beaucoup d'énergie renouvelable pour le faire. Et donc, ça va prendre du temps à le construire. Et l'Europe est un continent fantastique et merveilleux, mais on n'est pas à l'endroit où il y a le plus de vent et de... Je peux me permettre, sur l'hydrogène, on a d'autres capacités qui peuvent être utilisées, parce que ce qui est important pour l'hydrogène, c'est de démarrer le plus vite possible. Il faut démarrer parce qu'il y a des infrastructures importantes, il y a aussi des industries qui vont se mettre ensuite. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'histoire quand on survole le port d'Anvers, qui est un port, évidemment, qui est l'un des beaucoup plus vieux que les ports, que les dix premiers ports dont on parle tout à l'heure. Se sont développés des écosystèmes industriels. Autour de l'hydrogène, il va y avoir des écosystèmes industriels qui vont se développer. Il faut évidemment des réseaux de pipeline, il faut avoir la capacité de stockage, mais il faut aussi pouvoir fabriquer cet hydrogène et puis derrière avoir les industries qui vont commencer à l'utiliser. Et donc, le port d'Anvers est aussi... Évidemment, d'abord, il va y avoir des besoins, on le disait, pour le transport maritime, pour le transport routier, évidemment, peut-être pour le transport ferroviaire. Enfin, on voit bien que dans le transport lourd, il y aura évidemment des solutions qui vont être développées à base d'hydrogène liquide. Il faut donc avoir cette abondance. Il y a aussi effectivement un certain nombre de centrales nucléaires. Il y en a une ici, quasiment sur le site. Qui vont progressivement s'éteindre, on va dire. Il y a des réflexions, et notamment que je mène avec mes équipes, pour voir pour des centrales qui auraient vocation essentiellement à fermer à terme donné, peut-être pouvoir continuer en les débranchant du réseau, bien entendu sous vérification et contrôle strict, évidemment, des autorités nucléaires, de continuer à faire en sorte que pendant un certain temps, ils puissent fonctionner uniquement pour développer les filières hydrogène à coût extrêmement réduit, voire quasi nul, de l'énergie, parce que c'est dans cette course que nous sommes engagés et que l'Europe doit la gagner plutôt que de mettre, si vous voulez, des infrastructures ou commencer à être dépendant d'autres continents, quitte à investir et investir sur les infrastructures. Ben moi, en tant que commissaire en charge du marché intérieur et de l'industrie, je préfère que ça se passe ici. On a ces sources d'énergie qui sont là. Bien sûr qu'elles vont, si on parle du nucléaire, elles vont s'éteindre progressivement dans le temps. C'est pour ça que je les appelle énergie décarbonée de transition. Il y aura là, sans doute, des opportunités pour les utiliser dans cette phase actuelle sur l'hydrogène liquide. Quelle est la différence avec l'hydrogène d'il y a 20 ans, puisqu'on en parle depuis des décennies? Et maintenant, qu'est-ce qui fait que ça a changé, qu'il y a une réelle... prise de conscience ou prise d'initiative dans l'hydrogène? D'abord, c'est évidemment, je dirais, le Green Deal qui pousse tout ça. C'est aussi les moyens qu'on y met, parce que derrière tout ça, on parlait des plans de relance. On va mettre, nous, par exemple, la Commission européenne, 37% de 750 milliards, c'est-à-dire à plus de 200 milliards, 180 à 200 milliards, donc pour précisément encourager des projets de cette nature. Donc il y a un moment qui est un moment politique, qui correspond à une réalité qui est partagée par tous, au fond, sur la planète, évidemment, contre le réchauffement climatique. Et puis, il y a les ressources aujourd'hui. Donc, cette conjonction de ces trois facteurs fait que nous sommes convaincus que l'hydrogène, le moment est venu. On sait le faire, vous avez raison, c'est une technologie qu'on connaît depuis longtemps, mais qui doit, dans sa phase de transition, toucher toute une chaîne, tout un écosystème. Moi, personnellement, après ma visite d'aujourd'hui, je suis convaincu que en plus d'être l'un des très grands fournisseurs d'énergie éolienne, d'énergie solaire aussi, parce que quand on survole le port d'Anvers, on voit qu'il y a énormément de panneaux solaires sur tous les bâtiments, que ce soit aussi un grand centre de production d'hydrogène liquide, je pense que ça compléterait bien le mix. Merci beaucoup. Très bien. I have a few questions on Brexit and Fit for 55, actually. First on Brexit, you already said, is that going to be easier? Right.
You already said that across the channel they started a lot later than here. So you could say Brexit isn't really done yet. So currently Port of Antwerp is doing pretty well. Are there worries, because in the trade deal there is a mechanism for ensuring that there is a level playing field, that this level playing field will be skewed in the future? Are there worries? Do you see the first signs of that? No. What I said is that, of course, the port needed to organize themselves, and by the way, including also for the way. Now, since you have a control, it means that the custom must adapt themselves to this new reality, including while changing drastically their IT systems. It has been done here. And personally, as commissioner in charge of internal market, I'm concerned that it is not done yet from the other side of the channel. And I really encourage our British friends to speed up here. It will be in their interest, by the way. It is, the second point is, of course, that because it's more complex, of course, to export a product from the continent to the EU, to the UK, you may see a change of habits. Before it was easy to do it by trucks. Now it's probably more easy to do it by containers. And this is exactly what you told me. Because of course, if you do it by trucks, only by trucks, but you may see, if for example the UK is not ready, queuing for tens and tens of kilometers. So I mean that maybe you may see a change of the way the product will be sent to the UK and vice versa. But what I could tell you, that what I see, but I think it will be more interesting to ask Jacques, is that the Port of Antwerp prepared itself in order to cope with this very subject. Yeah. It's very difficult to predict what will happen in more than 6 months on the Brexit. We are still in a recovery phase on COVID. So the economy is not turning like it will be, most probably in a few months. But for the time being, it's clear that the Port of Antwerp is exporting 10% more than the years before towards the United Kingdom. And coming from the UK, it's a drastic drop, but not only in the Port of Antwerp, but the whole of the European continent. Will that remain like this for years and months to come will depend on what will happen in the small things that still has to be adjusted in the whole Brexit deal. We know things are not finalized completely, so I'm wondering what will happen on the British island in the coming months. But we are ready, like the commissioner was explaining, as a port, and the delays on Brexit helped, of course, all the companies to prepare themselves to do business with the United Kingdom. But the real trade is suffering, and that's and, more. And for the 50th anniversary, I said what I had to say in my Guardian interview. Thank you very much. Thank you. Merci.